Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي ندير فيه l'activité de la grammaire, l'unité 5, l'environnement, semaine 3 et 4 concernant l'adverbe. غادي نهضروا على الادفيرب. شنو هو الادفيرب؟ شنو هما الانواع ديالو؟ كيفاش كيكون؟ كيفاش كنعرفوه؟ واش il s'accorde ou non؟ Donc c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Donc pour présenter cette leçon, je vais vous proposer quelques phrases dans la rubrique « J'observe et je découvre ». Suivez avec moi. La mer est bleue quand le ciel est bleu. Les vagues s'approchent rapidement du rivage et se brisent partout sur les roches. Je répète. La mer est bleue quand le ciel est bleu. Les vagues s'approchent rapidement du rivage et se brisent partout sur les rochers. C'est bien, donc, on va les phrases lindes. On va maintenant les questions. Je réponds aux questions. Quand la mer est-elle bleue? Parce qu'il coule la mer bleue. La mer est bleue quand le ciel est bleu. Donc, la réponse va dire quand le ciel est bleu. Donc, le bahar qui est bleu, qui est zarq, menin kazkoun sma zarqa. La deuxième question, comment les vagues s'approchent-elles du rivage? Comment les vagues s'approchent-elles du rivage? Donc, les vagues s'approchent rapidement. Ouais. Rapidement. Donc, s'approchent rapidement. Parfait. Où les vagues se brisent-elles? Les vagues se brisent partout. Se brisent. Partout. D'accord? Se brise partout. Question suivante. Comment appelle-t-on les mots? Quand, rapidement et partout. Je kalimat. Donc, les kalimat, ce sont des adverbes. D'accord? Donc, ce sont des adverbes. Ce sont des adverbes. Il y en a quand. On a la mer est bleue quand le ciel est bleu. Il y en a rapidement lorsqu'on a dit. Les vagues s'approchent rapidement du rivage, rapidement. Et lorsqu'on a dit partout, c'est-à-dire se brise partout. Donc les adverbes sont quand, rapidement et partout. Ça fait. Deux ou maintenant la rubrique je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je manipule et je réfléchis. Je complète les phrases suivantes par l'adverbe qui convient. Donc, rien comme le had l'jumel bayesh. L'adverbe munasib. On dit toujours, on dit bien, on dit rapidement. Le maître nageur, ou avec sabah, les qui compte ma fulbhar, d'ailleurs, ou de chemise d'yal sibaha, ou qui hdi nes. D'accord? Le ou le maître nageur. Survey, qui hdi les bagneurs. Bagneurs, ou avec sabahin, ou avec nes, les qui hmout ma. Les bagneurs qui nagent, s'éloignent. Donc, je vais dire on est. Le maître nageur survey qui est daimen, toujours les bagneurs. Le maître nageur surveille toujours les bagneurs. Les bagneurs qui nagent, donc hidna d'abat toujours. Les bagneurs qui nagent bien, les bagneurs qui s'éloignent, qui bado, rapidement. Ça fait. La question suivante, je recopie l'adverbe. Radi, je n'en dis, radi, n'ktub l'adverbe, n'ay. On dit la phrase, fiha l'adverbe. Ana radi n'haddedou, n'ktubou hafina. Donc, je vais souvent à la plage. Donc, je vais souvent à la plage. L'adverbe, c'est souvent. N'ktubou n'ay. Souvent. Il court rapidement. L'adverbe, c'est rapidement. Rapidement. D'accord? Donc, ce sont les deux adverbes. Parfait. Nous avons maintenant, je retiens, l'adverbe est un mot qui modifie le sens du verbe. Donc, l'adverbe, ou à quelques mots, les quatrièmes, ou la quatrièmes, le ma'na d'yel, le fait. D'accord? Il y a des adverbes de temps, qui n'est un adverbe d'yel temps, d'yel l'ouakt, ou la zemen, p'hal quand toujours. Il y en a des adverbes de lieu, d'yel le makan. Les campolo ici, les campolo partout, les campolo sous. Donc ce sont des adverbes du lieu. Il y en a des adverbes de manière, c'est-à-dire de l'kayfi. Les campolo, hadak machib choui, hadak qui est glé réel, hadak qui est machib sora.
Donc, rapidement, doucement, ce sont des adverbes de manière, d'accord? Donc, l'adverbe est un mot qui modifie le sens du verbe. Il y en a trois types d'adverbes. Adverbe de temps, comme quand, toujours. Adverbe de lieu, comme ici, comme partout et comme sous. Et il y en a des adverbes de manière, comme rapidement et doucement. Deuxièmement, pour faire les exercices d'entraînement et de l'évaluation, il y en a je m'entraîne, je souligne les adverbes dans les phrases suivantes. Je vais dire, là, les adverbes dans la phrase suivante. Il y en a combien de phrases? Il y en a trois phrases. Je vais vous les suivre avec moi. Ce garçon pose toujours des questions. Ses parents lui répondent gentiment. Ses sœurs le suivent partout. Je répète la lecture. Ce garçon pose toujours des questions. Ses parents lui répondent gentiment. Ses sœurs le suivent partout. Donc, les adverbes. Ce garçon pose toujours des questions. L'adverbe, c'est toujours. Ou toujours, qu'on a, c'est un adverbe. Adverbe de temps. Ça fait? Ses parents lui répondent gentiment. Gentiment. Voilà l'adverbe. L'adverbe, l'adverbe de manière. Ça fait? Ses sœurs le suivent partout. Partout, c'est un adverbe. Adverbe de lieu. D'accord? Donc, à nous les adverbes. Deuxièmement, maintenant, je m'évalue. Je construis une phrase avec les adverbes suivants. Donc, radi nkoun ana jumel. C'est mal had les adverbes. Ça fait? Bdaou toujours. Toujours, radi nktib maintenant. Il part. Toujours, kimchi daymen. Il part toujours. À la salle de sport. Daymen kimchi la salle de sport. Mais on termine toujours. Adverbe de temps. Maintenant, lentement. Lentement, un col matelin. La tortue marche. Donc, elle se la fait, qu'elle marche lentement. Ouais, je vais y aller. Lentement. Donc, il kayfi, c'est-à-dire adverbe de manière. Rapidement, donc, radin col, la voiture. La voiture roule, donc ton vélo qui dort rapidement. Rapidement, rapidement. C'est un adverbe aussi, c'est un adverbe de manière. Ça fait? Ou bien, d'ailleurs, on commence la vidéo d'aujourd'hui. L'activité de la grammaire, l'adverbe dans l'unité 5, semaine 3 et 4. Quand vous avez dit que 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 vous avez dit